91% des Français accordent autant d'importance à l'alimentation de leur animal qu'à la leur. Selon une étude menée par Odoxa entre le 30 octobre et le 6 novembre 2019 auprès d'un échantillon représentatif de 1,005 Français propriétaires de chiens SC/ ou de chats SC, 9 Français sur 10 se disent attentifs à l'alimentation de leurs animaux de compagnie, même si un tiers confesse ne rien y connaître. En quelques années, la question de la qualité de l'alimentation est devenue majeure pour les Français, comme pour leurs animaux de compagnie. Ils sont près de 90% à se dire vigilants au contenu de leur assiette et 91% au contenu de la gamelle de leur animal. Des chiffres éloquents car la France compte le plus grand nombre de chiens et de chats de compagnie en Europe, 63 millions dont 14,2 millions de chats et 7,6 millions de chiens. Ils sont même 86% à déclarer adapter l'alimentation au profil de leur animal de compagnie, race, âge, poids, activité physique. D'ailleurs, 64% des possesseurs affirment regarder systématiquement la composition des aliments qu'ils achètent pour leur animal de compagnie. Consciemment ou pas, les Français ont tendance à transposer leurs exigences de qualité de leur alimentation sur celles de leurs chats et chiens. Ainsi, 64% des Français attendent plus de naturalité de l'alimentation animale, bio, sans additifs, etc., et la moitié, 49%, une production Made in France. Pas toujours simple d'agir dans le bon sens. Reste qu'un propriétaire sur 4 ne connaît pas les besoins nutritionnels de son animal de compagnie. Une information qui peut sembler trop technique à appréhender ou à exploiter au quotidien. Plus surprenant encore, s'ils ont conscience de l'importance de leur offrir une alimentation saine et équilibrée, 47% d'entre eux déclarent donner de la nourriture à leur animal pendant le repas. Et près de la moitié des possesseurs, 54%, donnent même les restes de leur repas à leur animal. Une pratique qui se trouve être plus courante chez les possesseurs de chiens, 64%. Pour 61% des Français, c'est l'avis du vétérinaire qui influence le plus le choix en matière d'alimentation pour les animaux de compagnie. Un vrai signe de confiance, mais aussi une preuve que le grand public maîtrise souvent mal les informations indiquées sur les emballages et ne comprend pas toujours les besoins de leurs animaux. C'est dans cette perspective que Purina a lancé début 2018 la plateforme Yako dans sa gamelle, en s'inspirant des questions les plus souvent posées à son service consommateur. L'objectif est aussi simple qu'essentiel, lever les idées reçues, expliquer la composition des produits, les besoins nutritionnels, mais aussi les enjeux environnementaux et etc. Ce sont 55 questions et leurs réponses, décryptées par les experts Purina, qui sont disponibles sur Yako dans sa gamelle pour satisfaire toutes les interrogations. Une plateforme régulièrement mise à jour et augmentée de nouvelles questions-réponses.